tu veux payer tes cartes PSN et Xbox Live moins cher, va dans la description de la vidéo et clique sur le lien Press Start. C'est un site sécurisé à tarif réduit qui te permettra d'avoir des avantages sur toutes ces cartes et également plusieurs jeux vidéo. Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Glic. Aujourd'hui, on va ouvrir les récompenses FUT Champions Elite 1 du joueur pro Genko qui a fait 27-3. Genko est un très gros joueur et je le coach au sein de la structure Neo eSport. L'année dernière, je l'avais coaché et accompagné lors de sa qualification à l'E-League 1. Il remporte souvent des tournois, bref, top level. Je profite également de cette vidéo pour vous remercier car on a dépassé la barre des 40 000 abonnés. Un gros merci à vous. Un gros GG pour le soutien et la force que vous me donnez, c'est magnifique. Je fais vraiment ce que j'aime, je fais du FIFA quand j'en ai envie, je fais du Dragon Ball, on fait plusieurs jeux, regardez, je viens de recevoir le nouveau Need for Speed, on va aller faire un live, même sur la chaîne Twitch, donc merci à Choco Bon Plan également de me soutenir et de m'envoyer autant de jeux. N'hésitez pas à aller sur leur site internet, le lien est dans la description de la vidéo, chocobonplan.com, cela vous permet de trouver tous vos jeux vidéo au meilleur prix. Et en même temps, dans la description, n'hésitez pas à aller me follow sur ma chaîne Twitch, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, j'ai repris DBZ Dokkan Battle, le jeu mobile, et des lives vont arriver prochainement, donc à tous les fans de Dragon Ball, n'hésitez pas. Donc voilà les amis, on est sur le compte de Genko, regardez le ratio, 820 victoires pour 126 défaites, il a fait Elite 1, on va aller regarder ses récompenses et on va les ouvrir en espérant qu'il chope du lourd, vraiment, je lui souhaite, regardez ça, Elite 1, c'est pas magnifique ça, c'est pas avec moi qu'on verrait ça, c'est pas sur mon compte qu'on pourrait voir ça, donc voilà, allez, on va voir un petit peu ce qu'il va avoir comme pack, oh là 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 là, 2 packs de l'équipe de la semaine, 2 packs Jumbo joueur rare, 125 000 crédits et forcément la qualification pour le prochain FUT Champions. Allez, on va voir ce qu'on peut réussir à lui choper comme joueur rouge. Ça peut être vraiment très intéressant. Let's go pour ce premier joueur. Faites voir ça. Bon, c'est pas ouf. Bon, il y a quand même à 84 de notre général, Munyein. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Il a quoi? Il a quand même 4 étoiles de gestes techniques. Ok, le reste, c'est pas ouf, hein. C'est pas oufissime. Allez, on va prendre Munyein. Et maintenant, le deuxième joueur, carte rouge. Allez, un bon joueur, un bon joueur. Allez, let's go. C'est parti. Oh, Sommer. Eh ben voilà, les autres, c'est pas ouf. Vaut mieux prendre le 86 de notre général. Allez, let's go pour Sommer. Voilà, faut absolument trouver un très, très, très bon joueur. Allez, c'est parti. C'est parti. Encore. Encore. Encore, Munyein. Warner. Oh, il y a Warner. Warner au pire. Warner qui a des bonnes stats quand même. 93 de vitesse, c'est un BU. C'est pas ouf. Ces cartes ne sont pas ouf, mais je pense qu'on va partir sur 85 de notre général. Alors du coup, on est parti sur Munyein, Sommer, Warner. C'est pas oufissime. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes comme ça, mais quand tu fais 27-3, s'il te plaît, en FUT Champ, et que tu vois ce genre de récompense, compliqué. Après, on le sait que l'équipe de la semaine n'était pas terrible non plus. Allez, à présent, on va ouvrir les packs. Alors, il y a un pack Jumbo Premium Or, un pack Joueur Or, un pack Jumbo Joueur Rare, un autre pack Jumbo Joueur Rare. Et là, attention, les packs équipe de la semaine, où tu peux avoir 3 gros joueurs, donc il va en avoir 6. On peut avoir du lourd, on peut avoir du lourd, même si on sait que l'équipe de la semaine n'est pas ouf. Mais par contre, dans ces packs-là, on peut peut-être choper, je sais pas, une petite icône, un truc comme ça, je sais pas, un truc qui donne envie. Let's go, c'est parti. Allez, pour Genko, les gars. Pour Genko, allez, animation ou pas? Ah, pas d'animation. Bon, déjà, ça commence mal. Pas d'animation, c'est compliqué. Hein. J'espère que tous les packs, ça va pas être comme ça. Parce que là, Muriel, autant te dire que tu nous fais pas plaisir, Muriel. Ouais, et le reste, c'est pareil. Hein. Servi, tout ça. Oh là 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 là, il est catastrophique, le pack. Catastrophique. On va voir ce que ça va donner. On s'attend pas à grand-chose dans le pack joueur. Or, il n'y a qu'un seul rat. Allez, let's go. C'est parti. Allez. Imagine, c'est là où tu as la meilleure des animations, quoi. Ah, non, pas d'animation. Bon, ok, ça va être encore éclaté. Allez, c'est quoi? C'est quoi? DG Nacho. Ok, bon, Nacho, 77 de notre général. Autant te dire que... Pff, on s'en fout de toi. Ouais, le pack, il est rincé. Hein. Le pack, il est rincé, à l'eau de Javel. Hein. C'est un truc de ouf. Allez, on va s'attaquer au pack intéressant maintenant. Le pack Jumbo Joueur Rare. 24 rares. Là, il peut y avoir du lourd hein, quand même. C'est que des joueurs avec 24 rares. Là-dedans, on peut choper du lourd. Il y en a deux en plus. Il y en a deux, les gars. Allez, pour Genko, let's go. Allez, allez, une belle animation, ça serait bien pour lui. Il en a besoin. Animation, ok. Walkout en bleu. Walkout en bleu. Brésil. MG.
Oh, Douglas Costa. Douglas Costa. Bon, ok, Douglas Costa. Ok, bon, joueur de Piemonte Calcio, alias la Juve. Ok, alors c'est un bon joueur, mais il vaut pas grand-chose au final. Ouais, avec un petit boost, ok, il y a Azpilicueta également. Bon, c'est pas oufissime. J'aurais préféré d'autres choses. Purée, tu vois du bleu, tu vois Welcome, tu sais, ça te donne envie. Au final, c'est Douglas Costa, quoi. Par contre, attention, il a des bonnes stats. Hein. 5 étoiles de gestes techniques, il a élevé en rendement attaque, 94 de vitesse, c'est très propre. Mais... c'est pas oufissime. Allez, c'est maintenant, dans ce pack Jumbo, joueur rare, qu'il faut un truc de fou qui pète la baraque. S'il te plaît, fais-nous péter la baraque. Let's go. Allez. Allez, fais-nous péter la baraque, on a dit. Allez, vas-y. Vas-y. Animation, oui. Allez. Walkout, allez. C'est maintenant, là. France, walkout, France, décès. Umtiti. Ah, c'est pas oufissime. Alors, c'est bien, Umtiti, tu vois, c'est déjà bien. Mais purée, ça aurait pu être Varane, tu vois. Tu vois France, tu vois DC, tu penses à Varane, normalement. Meskin, Istap, Umtiti. Yaki, Umtiti, ouais, Banega et tout. C'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible. Bon, il y a Umtiti, tout ça, mais... ouais, on s'attendait quand même à mieux, hein. Franchement, on s'attendait à mieux. Le mec, il a quand même fait 27 victoires, 3 défaites en fut champ. Il fait Elite 1 pour se taper Umtiti, Douglas Costa... c'est pas dingue, quoi, les gars. Allez, à présent, les deux packs équipes de la semaine. J'espère qu'il va tomber sur des belles cartes. Let's go, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il va avoir? La porte est belle. Hein. Bon, animation, forcément, on le sait, walkout, tout ça. Allez, une belle carte, là. Espagne. MC. Oh, c'est pas ouf. Hein. Oh, c'est pas ouf, le pauvre. C'est Luis Alberto. Alors, 86 de notes, c'est pas mal, hein, tu vois, la note, mais... le joueur est pas ouf en soi. Le joueur n'est pas ouf. Allez, Yaki avec. Allez, Yaki avec. Yaki. Attention. Sommer. On vient de le prendre en carte rouge. Ah, De Light. De Light. Ouais, dommage qu'il manque de vitesse. Dommage qu'il manque de vitesse parce que par contre, il a quand même élevé en rendement défense et 1m89 et 4 étoiles de mauvais pied. Il lui manque de la vitesse. En revanche, les stats 85 de def, 85 de physique, c'est plutôt pas mal. Ça vaut combien ça, De Light? Ça vaut, ouais, 40 000, quoi, ok. Sommer, 20 000, d'accord. Et Luis Alberto, ouais, pareil, 20 000, ok. C'est pas ouf, quoi. Allez, le dernier pack, pour espérer avoir quelque chose de oufissime, tu vois. Quelque chose de dingue. Let's go, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il va avoir comme pack? C'est quoi, les joueurs? Allez, walkout, ok, on est bon. Allez. Non, pas Sommer encore. Non. Mais il a abonné à Sommer, c'est pas possible. On l'a chopé en carte rouge, on chope deux fois en boost. Mais c'est quoi ça? Ça devrait être interdit de choper comme ça en double. C'est abusé. C'est un truc de fou. Avec Abraham et tout, bah ouais, il vaut combien ça, Abraham? Oh, c'est pas ouf, hein. Ah ouais, 20 000 crédits, quoi. Purée, 20 000. Lui, ah ouais, c'est dur, les gars. C'est dur pour le frérot Jenko. C'est dur, un truc de dingue. J'en profite également pour vous montrer l'équipe avec laquelle il a fait Elite 1. Donc, vous voyez, c'est une bonne équipe, mais c'est pas ouf non plus. C'est pas rempli de légendes ou quoi. Il n'y a pas du Ronaldo, il n'y a pas du Messi. Voilà, il a quand même fait Elite 1. 27 victoires, 3 défaites avec cette équipe. Franchement, respect à lui. Mais quand tu vois les packs qu'il a tapé, quoi, c'est pas dingue. Même moi, quand j'ai fait hors 3 et hors 2, j'ai tapé du Sadio Mané, du Eden Hazard. C'est incroyable. Donc voilà, maximum de pouces bleus les amis, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'a fait plaisir d'ouvrir tout de même les récompenses de Jenko, on en fera d'autres avec également aussi d'autres joueurs, comme je vous l'ai dit, on fait vraiment tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on kiffe, on le fait sur la chaîne, merci encore du soutien, on se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, ciao! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.